Olivier Bruny vous présente son exposition de photos animalières des Barthes de l'Adour. Il nous raconte « Capturer l'instant présent et le vivre éternellement, c'est son but. Derrière chaque photographie se cache une histoire, un moment privilégié et une émotion retransmise en images par le photographe animalier. En y apportant son regard artistique et une touche de sensibilité, il vous dévoile aujourd'hui ses plus beaux clichés. » C'est assez clair, parce que là c'est pas trop éclairé. C'est bien ? Oui. Tu vas juste tenir le tableau comme ça. Celle-ci j'avais fait à l'affût, depuis la tente à affût qui est là-bas. Ouais. Avec une colonie de garzettes. Ça avait duré presque 2 jours. J'ai eu la chance pendant plusieurs heures d'aller voir se poser dans les branches. Alors là, on a une garde-bœuf en parade nuptiale en fait. C'était au mois de juin que je l'avais faite. C'est pour ça l'explication de ces plumes de couleur, c'est la parade nuptiale. C'est la parade nuptiale, oui. C'est la période de reproduction. Okay. L'aigrette, elle fait un peu petite au milieu, je voulais la faire plus grande. Ça me paraît pas mal du tout. En plus, ça passe juste quoi. Oh putain, je le sens que je vais me faire chier. Il a aplati le truc. En bas de la cible, il est intercalé avec. Oui, avec l'autre. Il doit accrocher, c'est galère. Tout seul, c'est galère. Un autographe, s'il vous plaît, un autographe. Alors là, on te vous voit demain soir, c'est foutu. Hein. Non. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, c'est le vernissage de l'exposition d'Olivier Bruny. Bonsoir à vous. Dans cette maison de là-bas. Et je prie tout d'abord d'excuser Madame le maire qui est retenue par une autre réunion. Merci Isabelle et bien sûr Bruno avec qui on a travaillé depuis ces derniers mois. En tout cas, merci beaucoup pour cette expo. Ça me touche beaucoup et puis en tout cas, je vais passer un bon moment avec vous. Donc je serai là présent avant le plus souvent possible pour parler de tout ça avec... avec vous tous. En tout cas, merci. Alors dis-moi Olivier, pourquoi tu aimes venir dans les Barthes ? Alors moi j'aime venir dans les Barthes parce que c'est un milieu que j'ai connu il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près une quinzaine d'années. Et c'est surtout un environnement vraiment tranquille. Alors dis-moi Olivier, toutes ces jolies photos là que tu nous proposes, mais comment es-tu arrivé à la photo animalière ? Alors la photo animalière, ça a été une suite logique de ce que j'ai pu faire il y a à peu près plus de 10 ans maintenant, bientôt 15 ans, où j'ai découvert comme bon nombre de gens ici, notamment de touristes, la cigogne blanche qui niche ici dans les Barthes. Et donc j'avais pour rêve depuis, alors ça c'est un rêve de gosse, de pouvoir voler, non pas comme un oiseau, mais de pouvoir voler avec ces cigognes blanches, rêve que j'ai pu réaliser il y a quelques années, avec notamment un planeur radio commandé. Et
J'avais commencé également à faire des photographies depuis bien longtemps des cigognes, et je me suis aperçu que ça aurait été dommage de m'arrêter uniquement aux cigognes, que nous avons ici dans les Barthes, pour également aller à la rencontre des autres habitants des prairies humides que nous avons. Merci Olivier.